La betterave se sème vers le mois d'avril. On commence à la récolter maintenant au mois de juillet. Ça, c'est la variété, c'est une betterave, la petite betterave d'Égypte, qui est très bonne. C'est tout sur la betterave, il n'y a rien de particulier. On la met en terre, on l'éclaircit au bout de. Quand les plants sont bien sortis, c'est trop serré, on éclaircit. Et malgré ça, on voit que c'est toujours serré parce qu'il y en a énormément qui poussent. Et puis après, on attend le moment pour la ramasser. Donc un plant, une betterave, non? Ah, c'est pas des plants, c'est des graines. On sème des graines comme on sème des radis, comme on sème. Voilà, et après on récolte des betteraves. Et à partir d'une betterave existante, on peut ressemer ou pas? Alors je pense que c'est comme tous les légumes, mais quand au moins on les laisse pousser, ils finissent par monter, ils finissent par faire des graines. Comme ça, elles sont pas petites un peu ces betteraves? Non, c'est la petite betterave. Ah non, c'est la taille, celle-là elle est grosse même. Non, c'est la petite betterave d'Égypte, c'est pas une betterave énorme, mais c'est une betterave qui est goûtue. Goûteuse ou qui a du goût. Faut la faire cuire la betterave. La betterave, on la fait cuire dans une. Nous on la fait cuire à la cocotte minute, ça doit être de l'ordre de 15 ou 20 minutes vapeur cocotte minute. Et quand c'est refroidi, ensuite on la coupe en morceaux, puis on la fait en vinaigrette, en salade normale.